nous dresse les poils tellement c'est joli. C'est un joueur qui m'a effrayé au début, je pensais que j'allais m'ennuyer et tout, mais en fait c'est intéressant. C'était de la musique à la portée de tout le monde. C'est pas aussi barbant qu'on le pensait, ouais. Parce que ça raconte des histoires et c'est intéressant. C'est un peu impressionnant avec chef d'orchestre. C'est que du bonheur quoi, c'est vraiment un grand, grand plaisir. Vraiment je pense que ça a été une découverte, pas forcément du chant, mais du chant comme il a été enseigné là. C'est-à-dire très rigoureux, mais en même temps de manière très ludique. C'est une très bonne expérience, j'ai beaucoup aimé y participer. C'était à refaire, bah, je le referai avec volontiers. Bah, c'est super, on passe des bons moments, on rigole bien. C'était vraiment sympa, moi c'était la première fois que je chantais sur scène, j'ai vraiment été super contente. On a récemment fait les élections de délégués dans les classes et une des élèves a écrit que, comme le dit Benjamin, le chef de chœur, désormais ils ne font plus qu'un chœur. Voilà. Au départ, c'était vraiment découvrir la pratique du chant. Mais ensuite, c'est vraiment des rencontres humaines et autour du chant, tout ce qui va se créer de solidaire. Et ensuite, en plus, il y a toujours le petit pot partagé et ça, l'instant convivial, c'est très important.